Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Lifehouse Diaries 2. Aujourd'hui dans cet épisode, l'objectif, c'est de laisser mourir Cécile, je déconne. Non, c'est un zombie, enfin ça va devenir un zombie. Voilà, il est infecté, donc il faut trouver le moyen de le désinfecter. Et le meilleur moyen pour trouver du désinfectant, c'est d'aller à l'hôpital. Et c'est ce que l'on va faire, même si des gens sont blessés, Vincent va mourir dans le sauvetage de Cilicie, même s'il a une demi-étoile de Breach, donc je n'ai peut-être pas trop l'utilité de l'emmener en Breach. Lui, il a 2 étoiles de Breach, Lara a 4 étoiles de Breach, Cilicie, il est un peu moins bon. Du coup, il a que 3,5 étoiles de Breach, et moi j'ai 2 étoiles de Breach. Donc Vincent, qui a juste une demi-étoile, on va peut-être le laisser derrière. Vincent, lui, tranquillement, il va nettoyer, tu vois, il va nettoyer tranquillou. Pendant que les autres, donc tout le monde sauf Vincent, voilà, on va les breach. Parce qu'il est temps de breach. On va pas prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une N-Axe. J'ai une hache à main, ça me donne une étoile. Dupont, il a une Fire Axe. Modifie de Sledgehammer, il a une super bonne arme celui-ci. Il peut pas me dire que je lui ai pas donné une bonne arme, hein, je suis désolé. Lara a une bonne arme aussi pour le breach, pour le combat. Hop, on va prendre peut-être un assaut rifle. Après, j'ai plus de carreaux d'arbalète, donc on va prendre un assaut rifle, des munitions de fusil d'assaut. Un truc qui est bien pour Breach. Y a pas des trucs qui sont bien pour Breach? Non, après y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Alors on va décider d'où on va Breach. C'est sûrement pas de là. De là et peut-être de là. Parce que si on met les, on peut pas mettre les quatre ensemble. Alors Cilicie, Cilicie est ici. Alfred et moi, on serait avec Cilicie. Ou je vais pas rester avec un zombie moi. Le mec, tu sais. Et Cilicie, comme il est déjà à moitié foutu, on va laisser tout seul. Le mec gros salaud, tu sais. Et en espérant que ça passe. Sachant que. Attends. Tatatatata. Ouais, donc on a exploré de tous les côtés. Donc ça veut dire que. Si. En faisant tout le tour, on n'a pas vu des zombies là-dedans, c'est qu'il n'est pas censé y en avoir. Voilà. Parce qu'on aurait pu faire que le tour par devant et voir que les zombies qui étaient là. Et du coup, pas avoir peut-être la centaine de zombies qui seraient là. Maintenant, là, il y a peut-être beaucoup de zombies. Ici, il y a peut-être beaucoup de zombies. On verra. On verra, on verra. En tout cas, on va y aller. On va partir comme ça à l'assaut. On va tous mourir. Alors, Vincent a nettoyé. Voilà. Il est plutôt tranquille, Vincent. Voilà. Ça va être le seul survivant. On va le faire spot en attendant. Hop. On va le faire spot. Ah, apparemment, ça s'est bien passé. On n'a plus de blessure. Alors. Si. Alors, Steph. Si, Alfred et Lara ont breaché. Là, ils sont passés par les fenêtres, comme on avait dit. Le question, c'est par un lien quick. Donc, voilà. On s'est vite regroupé comme une équipe. Place Trouverse Hospital, donc dans l'hôpital, vous voyez, dans la pas mal de combats par-ci par-là, un petit peu par là. C'est bien, ça nous montre bien les pièces dans lesquelles il y a eu de combat. Là, dans la kitchen, il n'y a pas eu beaucoup de combats. 74 zombies, on a tué. Et s'il ici a trouvé des antibiotiques, ça devrait ralentir l'infection. D'accord, il y a un piège qui a tapé un zombie, mais qui n'a pas réussi à l'éliminer complètement. Donc voilà, on a réussi à prendre cette place forte. Et qu'est-ce qu'il y avait? On n'avait pas pris de bouffe, tiens. Il y a des bandages. Peut-être que Vincent pourrait venir pour se faire soigner. Parce que personne n'a été blessé pendant ce tournage. On va search comme des malades. Et on va essayer de barricader un maximum l'hôpital. Hein, pas qu'il rentre. Oh, encore quelqu'un, il va nous casser les pieds. Alors. Old Lady, blablabla. Medical Supply contre des armes.
Alors j'ai pas envie de la tuer, ça pourrait attirer d'autres zombies. Qu'est-ce qu'on a comme arme? On a un fusil d'assaut normalement. On a un fusil d'assaut. Sinon, on a les armes qu'on a à la main, mais ça, j'ai pas envie de le... Des medical supplies, ça serait très très bien. C'est notamment pour celui ici ou même pour les autres. Vu qu'on est en manque de medical supplies, mais on est dans un hôpital en même temps. Allez, on va essayer. On va essayer. Donc, trois bandages, des cooking ingrédients, des painkillers. De... c'est bien, on a trouvé plein de trucs. Ah merde. D'accord, elle nous a pris un 357 Magnum, un truc de bière, une queue de bière, une hache à main et une infiltrée de cricket bag. Ça, c'est pas bon, ça. Parce que du coup, Lara n'a plus d'armes. Et aucune arme dans la maison. Ah, fait chier, quoi. Fait chier! Il y a des armes au corps à corps, là. Il a une crowbar, Vincent. Il a une crowbar. Qui c'est qui a perdu? Moi, j'ai perdu mon arme. Bah, nous a vraiment. Après, c'était pas terrible, hein. Les échanges, je les trouve pas terribles, hein. Parce que bon, ok, on a récupéré des bandages, des painkillers, et bon, du coup, il nous manque des armes. Vincent va venir. Il va breach. Il va prendre une cricket bat. Il va prendre les simple mills parce que je pense qu'on va rester là-dedans. Il va prendre les éponges. Il va prendre la drill. Et puis ce sera déjà bien. Les cooking ingrédients, comme ça il va faire de la bouffe là-bas. Voilà. Ou peut-être, attends, ça pèse de rien, il peut prendre des munitions aussi. On sait jamais. Une baïonnette, ça peut toujours servir. Voilà, comme ça il est pas trop lourd. Alors, on a trouvé de l'armure. On a trouvé de l'armure. Ok, masque. Vincent est toujours pas là. Tout le monde a Riot Shield. Ça, c'est ici, il a ça aussi. Donc Alfred, il va prendre. Il va échanger contre ça. Voilà. Toujours en barricade, on est toujours en train de chercher. L'intérieur commence à être un petit peu fortifié. Et Vincent est sur la route. Un piège. On a trouvé 10 antibiotiques, des munitions de shotgun. Des carreaux d'arbalète, des munitions de pistolet, de fusil, et tout a été fouillé. Ok. Donc Vincent a de la fièvre. Il y a beaucoup de zombies sur les côtés là. C'est qui peut être soigné? C'est Vincent. C'est Vincent qui peut être soigné. On va garder les bandages pour le moment. 10 bandages, on a, on va les garder. Par contre, j'aimerais bien mettre des armes à mes types. Je vais prendre la baïonnette et Lara va prendre la cricket bat. Voilà. Comme ça, on a au moins des armes. C'est d'ici, mais c'est d'ici, il est. Le problème, c'est que s'il devient zombie. Alors que. Je sais pas si c'est obligé qu'il va devenir zombie en fait. D'accord, Vincent s'est soigné. Vincent s'est soigné et il a pris painkiller et antibiotiques et il s'est soigné. Supply, et on a toujours les 10 bandages. Je sais pas comment avec quoi il s'est soigné, mais. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Du coup, il y a moi et Lara, on ne fait rien. Est-ce que je ne peux pas aider Lara pour aider?
à nettoyer peut-être. Vincent et Lara, ils vont me nettoyer. C'est Lara qui va aider. Chez moi, je vais aider à faire à manger. Voilà, à nettoyer. Manger, après, on verra. Il faut barricader à fond. Il faut faire de cet hôpital une place forte. Comme ça, on a fait quasiment toute une ligne en aurait là. Ah. La fin de Cilicie. Alors, un mysterious voice spoke over the hospital. Alors, donc en fait, il y a une voix. La voix d'un scientifique. D'une scientifique. Qui résonne dans l'hôpital. On entend une voix. Alors, elle peut soigner tout le monde. Mais ça peut avoir des effets secondaires. Mais rien de sérieux, elle nous dit. Elle voudrait choisir Vincent pour essayer l'expérience. Mais Alfred est plutôt contre. Alors, moi, je serais aussi plutôt contre. Hein, puisque Vincent, maintenant, voilà, il a de quoi se soigner. Donc on va être plutôt contre. On va être plutôt contre parce que je pense que... Moi, Lara, ça va. Moi, Lara, ça va, on se porte bien, hein, tranquille. Hein. Franchement, on est bien. Hein. On est posé. Hein. Alors... Ouais, ça protège, ouais. Il faut bien protéger sur la gauche parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zombies. Hop, 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 hop. D'accord, on a nettoyé un petit peu. Alors, on a été frustrés de travailler ensemble, Vincent et moi. Alors, des pièges ont été activés mais n'ont pas réussi à tuer de zombies. Ouais, puis il faudrait mettre des pièges sur la gauche aussi. Ça serait bien, mais j'ai préféré quand même sécuriser un petit peu tout ça avant. Fortifier tout ça, on est toujours deux à nettoyer. Alors, il s'est arrêté de pleuvoir. Encore un piège. D'accord, donc Lara et Alfred se sont mieux entendus après avoir travaillé ensemble. Ok. Alors il y a des pièges qui fonctionnent, enfin qui sont activés mais qui n'arrivent pas à toucher de zombies. Ça c'est un petit peu chiant. On avait récupéré le truc en fait. Il est là. Spark plug. Faudra qu'on le ramène à la maison quoi. Faut que j'y pense hein. Attends, ce qu'on peut faire, c'est que add note. On va écrire? Ah, si. Voilà. Je le mets ici, comme ça je sais que je l'ai foutu là, tu vois, si jamais j'y pense plus. Ça pourrait m'arriver de plus y penser, quoi. Oh, j'ai trouvé le carburateur. Non, sérieux? J'ai même pas fait gaffe. Ah oui. Et il est là. Il pèse lourd. 5. Va falloir le ramener dans la maison d'à côté. Dans le diner. Parce que là, on est quand même très très loin de la maison. Déjà, après, du coup, on a deux trucs. Ça avance un petit peu. Il nous manque une batterie. Une pompe à carburant. Et un truc d'allumage. Ça devrait pouvoir le faire. Mais on n'a pas la carte non plus. Et après, il ne nous reste pas tant d'endroits à visiter que ça. Si on regarde, on a fouillé quand même pas mal de choses. La carte peut-être au commissariat, ou peut-être à la banque, à l'université peut-être. Université, si on n'a pas eu à l'école, peut-être à l'université, il y aura des cartes de la zone. Au commissariat, oui, au commissariat, il pourrait y en avoir, oui, oui, aussi, ouais. Il est infecté, mais ça veut pas dire qu'il va, tant qu'il meurt pas. Alors, il se repose. Tout le monde va pas tarder à se reposer. Ça serait bien de finir de barricader d'abord. Ok. Ok, donc on n'a pas été en très très bon terme pour travailler ensemble, Vincent et moi, donc du coup je vais m'enlever de cette tâche-là, je vais peut-être
Bosser même si je suis pas très très bon. Avec les autres là. Barricader le plus vite possible. Il reste quand même pas grand chose, hein. Juste la fenêtre là. La porte ici. Et tout rebarricader comme il faut. Et on serait presque bon. Ouais, mais c'est ici, il pionce. C'est ici, il pionce. On pourrait essayer de déplacer Cilici par ici pour déplacer la pièce qu'il nous faut là. Ah non, c'est pas là. Oula. Oula, 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 oula. Des zombies ont attaqué. Une small office and bathroom. On a tué 16 zombies. La RSF ont été blessés pendant le combat, putain. Ils ont pris des painkillers. Et moi, je suis en train de me reposer. On a été blessés. Oh putain, on a été gravement blessés en plus. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Et du coup, ils ont cassé les barricades. Non, ils ont juste réduit les barricades. C'est qui est moi, le meilleur en treat? C'est moi le meilleur médecin du groupe, quoi. Moi le meilleur médecin du groupe. Je vais soigner Lara parce que je suis un gentleman. Ok, bon. Alfred et Lara ont été frustrés de travailler ensemble. J'ai traité avec succès les blessures de Lara. Et je vais me reposer. Il me semblait que j'avais soigné les blessures de Lara. Ou alors j'ai soigné les miennes. Je sais pas, j'ai demandé pour Lara, mais. Alfred, il est pas blessé, ce salaud. Hein. Tout le monde est blessé. Tout le monde va mourir, sauf Alfred. Alfred, il est juste en rédemption. Mais le mec, il est stimulé, il est tranquille. On est presque à la fortification maximale. On progresse un peu. Ok, tout a été fortifié. On va mettre maintenant des pièges. À l'ouest. Ouais, donc il faudrait des pièges ici et au sud. Ouais. Vraiment à l'ouest, ce serait bien. Personne pour spot. Non, il n'y a que Alfred qui est réveillé. Un piège a été détruit. Là-haut. Mais là, ça devrait. Haute qualité, des pièges de haute qualité. On va en mettre au sud. Ok. Tilly et Vincent. Elles se sentaient un peu plus proches. D'accord. Elles ont discuté sur probablement. Ok, donc c'est fortifié. Il faudrait nettoyer, mais personne n'est disponible pour nettoyer. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Il y a 14 cooking ingrédients. Il y a 14 antibiotiques. Ça pèse ça les antibiotiques? Non, ça pèse pas, c'est bien. Ça pèse rien du tout. Les munitions, il n'y a aucune arme. À part celle qu'on a là. Donc on a vraiment changé tout ce qu'on avait. Ah, je peux quand même le réveiller pour. Parce que je suis réveillé? Ouais, il faudrait savoir. Alfred. Qui va faire des pièges à l'ouest ou au nord, ça aurait été pareil. Bah, je vais nettoyer. Je vais nettoyer ou je fais la bouffe? Je vais nettoyer. Je vais nettoyer. Mais Alfred, il va pas tarder à vouloir dormir. Ok. Et maintenant, voilà. C'est. On est protégé, on est fortifié. Demander à Alfred de faire une clôture. Moi je suis encore en train de nettoyer. Il a construit une clôture. Il va construire une watchtower. C'est bien d'avoir un builder. Et ici, il va se remettre au spot. Il a construit une watchtower. Ça nous permet de voir un petit peu mieux. Je vais lui demander de faire un sniper nest. On sait jamais. On sait jamais et on va cooker. Vincent n'est toujours pas réveillé.
Alfred se repose et il a, avec succès, construit une sniper nest. Ça fait qu'on est quand même plutôt pas mal. Hein. Hop. On est quand même plutôt pas mal. Parce que là, on a fait quasiment toute une ligne de piège. On a fait quasiment toute ligne, on a quasiment toute ligne de barricade aussi là, de maison barricadée. Ok, donc quand je serai disponible, j'irai peut-être aller vérifier cette maison là. Ça serait bien d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alfred donc il dort, c'est ici, moi je fais à bouffer, c'est ici, il spot. Ok. Les pièges ils s'activent mais ils ne touchent aucun zombie. Là il y a quand même beaucoup de zombies ici. Ah bah Alfred était pas en train de dormir. Ah tout le monde s'est réveillé. D'accord, tout le monde s'est réveillé. Je vais demander à Lara, même si elle est blessée, d'aller spotter là-bas. Voilà, on va plutôt passer par là. D'aller spotter là-bas, cricket bat. Voilà. J'aimerais bien ici que Alfred, maintenant qu'il a tout fini, il nous fasse plutôt des armes pour le combat. Plutôt des armes orientées combat. Moi, je ne comprends pas lui dire qu'est-ce qu'on voudrait exactement. Moi, je vais partir. J'ai essayé d'aller explorer la banque. Et la banque n'est pas très très grande. Passer par là, je devrais pouvoir voir tous les côtés ici, là, là, tous les côtés là, ça devrait pouvoir me donner une bonne vue sur à peu près tout. Il y a quand même beaucoup de zombies sur la route, donc il va falloir faire que je fasse attention. Et les autres, ils vont rester là, s'il ici au spot, tant qu'ils ne deviennent pas un zombie. Et Vincent en train de faire à manger. Il y a des corps, non? Pourquoi il y a des corps? Alors. Alors Vincent a tout nettoyé, donc il commence à pleuvoir, ouais, mais en même temps il fait jour, donc les zombies sont plus faciles à voir mais en même temps plus difficiles. Alors Vincent et Célicie, ok, se sont lavés, ok, une demi-douzaine de zombies ont été tués grâce à un piège, sûrement un piège par ici là, peut-être celui-là, peut-être celui-là qui a fait mal, qui a fait du dégât aux zombies. Nous on est parti avec Lara en exploration. On est des vrais guerriers, nous. On est les vrais. On est les vrais. Du coup Vincent, il ne reste plus rien à faire, donc il va faire un large mythe. Alors. Combat crossbow and infiltrate flying axe. Alors le truc autour des zombies, la clôture autour de l'hôpital bloque un peu les zombies. Des pièges ont été... un premier piège a été activé mais n'a tué aucun zombie. Le deuxième a tué une douzaine de zombies. Ouais. Plusieurs zombies en tout cas. Alors Lara qui investigate la maison. Il y a many zombies outside, beaucoup de zombies à l'extérieur. Few zombies inside. Donc elle est pas trop sûre de son résultat apparemment. Il investit la banque. Et so many zombies inside, very confident. Il pourrait y avoir des armes dedans. Parce que ça a été occupé récemment. Beaucoup de zombies à l'extérieur. Bon si c'est les zombies là, ça peut se gérer. Et ici, elle s'est fait une bonne observation là, ça me permet d'avoir tous les côtés de la maison. Là aussi, très très bonne observation. Elle est passée par là, elle est passée par là, quoique elle a peut-être pas vu ce qu'il y avait là. Il pouvait y avoir des zombies là-dedans. Mais en tout cas, elle a vu qu'il y avait personne ici, donc ni ici. Quoique elle a pas vu s'il y avait pas des zombies là. Donc il faudrait entrer qu'à deux ou trois là. Non, il faut rentrer par la cuisine, mais c'est risqué. Elle a vu que deux zombies dans la cuisine, donc assez peu de zombies, il faudrait quand même faire un petit saut. Ici par contre c'est pas la même chose, parce que là je suis venu par là et par là je crois. Hein. Donc là il devrait y avoir personne. On peut y rentrer sûrement à deux.
Si je suis entré par là et que là j'ai vu personne, c'est que c'est qu'il doit plus y avoir. Je suis parti. Attends. Du nord, le sud et et l'ouest. Donc si je regarde l'intérieur, j'ai vu le nord, le sud et l'ouest. Donc ouest. Donc j'ai fait ça. J'ai fait le tour comme ça. Donc normalement j'ai vu personne ici. Donc on doit pouvoir entrer une équipe par ici, une équipe par là. Ça doit pouvoir se faire. Dans l'entrepôt, en fait, je sais plus s'il y avait du monde. On avait fouillé, je crois. Ouais, on avait fouillé l'entrepôt. Ah, mais c'est. On a un spark plug, on avait trouvé ici. Après, parce que de toute façon, la solution doit se retrouver soit dans les maisons qui sont là, dans toutes celles qu'on n'a pas fouillées, en fait. Hein. Et finalement, il reste. Ouais, les maisons qui sont là. Les 6 maisons qui sont en bas. Les maisons là et là. Les maisons là-haut et la ligne là. On n'a pas fouillé, quoi. Après l'hôpital, ouais, c'est vrai que c'est une bonne base. Il faudrait qu'on puisse aller dans le store, peut-être ici faire une base et pour pouvoir aller là-haut. Là-haut, là-haut, comme ça on serait juste à côté. Parce que là on est quand même un peu loin. On est quand même un peu loin. On va revenir. Le combat drill. Ok. Donc on est rentré. Qui aurait besoin d'être soigné, c'est Lara. On va soigner Lara, la pauvre. Infiltrate Fire Axe. Je la donnerais bien à Lara. Combat Drill, je vais lui donner la Combat Drill. Elle va prendre l'Infiltrate Fire Axe. Modifier de Slash Hammer, heureusement qu'on l'a pas perdu celui-là. Il est très très bon pour barricader. Et pas très très bon pour Breach. Alors attends. On va lui donner le modifié de. Parce que ça l'aidera pour barricader. Quoique. Quoique, c'est pas trop grave là. Il se démerde bien pour barricader. Hein. Combat drill, ouais. On va lui mettre quand même la meilleure arme, c'est ici. Sinon il va encore se plaindre. Une baïonnette. Cricket bat, ouais, je vais prendre la cricket bat. Ouais, la baïonnette, elle est bien, mais pas pour. Il a une crowbar, lui, ça pourrait être pas mal une crowbar. Ouais, bah, je vais lui enlever, quoi. Je vais lui mettre la baïonnette. Je vais prendre la crowbar, moi, combat crowbar. Parce que Vincent, il fait pas trop trop les. Il fait pas trop trop les breaches, donc. Alfred, il peut faire du combat cooking cleaning, non, c'est bon. Ah d'accord, moi je. Il faut que Lara elle fasse rien, je crois. Je puisse la soigner comme il faut. Et Vincent, ouais, voilà, comme ça. Ok. Donc j'ai avec succès soigné Lara. Donc tout le monde est en fait en pleine forme à part Célicie qui est toujours un zombie. Enfin qui va devenir un zombie. Incessamment sous peu. Alors il faudrait. Il faudrait qu'on breach. Est-ce qu'on y va tous? On y va peut-être pas tous. On va breacher à 3 comme d'habitude. Vincent on va le laisser derrière. Du coup on n'a plus du tout d'armes. Donc on va y aller avec ce qu'on a là, hein, puisqu'on a ce qu'il faut quand même. Hein. Oh, la combat drill, elle est pas mal quand même, hein. Ça lui permet de faire des bons pièges et tout. Alors, j'aimerais pas passer par là. Juste regarder, son rapport, elle nous a dit le nord, le sud et l'est. Donc, dans cette maison-là, elle est venue du nord. Attends, du nord, du sud et de l'est, donc de là. Ok. Ok. Ça me servira pour le breach. Donc, ça veut dire que. Là, on sait pas s'il y a des zombies en fait. Là et là, on sait pas s'il y a des zombies. Là, il doit y en avoir. Ici, il doit pas y en avoir. Donc, on va faire ça. Est-ce qu'elle a vu ici, quoique là, il y en a peut-être, mais on le sait pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Ici et Lara ici. Et peut-être moi et Dupont, qu'on est un peu moins bon pour le bridge, passer par là.
Parce que normalement, comme elle a vu ici, ici et ici, donc les fenêtres là, elle ne sait pas ce qu'il y a. Ici, elle ne peut pas savoir ce qu'il y a non plus. Donc là, normalement, il n'y a pas de zombies. Là, il y en a deux. Donc ça devrait se faire. Ok, on s'en avait vu. Ok. Ils sont partis, les quatre. Vincent est le seul à rester là. Il a plus de trucs, donc il va spot en attendant. Le combat qui se passe. Et d'accord, donc ils sont rentrés séparés, mais ils ont finalement réussi à se frapper. Ils ont tué 10 zombies et Stilicie était encore blessé. Et on se repose avec Alfred. Ouais, ça serait c'est con ça. Ça c'est con. Du coup, c'est pas le moment de se reposer les gars quoi. Déjà parce qu'on peut pas leur demander de se reposer, tu vois. Il est exhausted. Je suis exhausted. Lara est très très bien. Stilicie, il a été blessé. En fait, je suis bête, mais en fait, on le voit là. On voit qu'il y a un mec qui a été blessé là. On entend les zombies au loin. On va demander si Stilicie spot. Et Lara va fouiller en attendant. Ouais. Elle va fouiller. On va peut-être pas barricader. On récupère ce qu'on peut et on se casse. Le snack. Ok. Ok. Vincent est encore en train de spot. Il voit quand même qu'il y a beaucoup de zombies dans le secteur là. Il faudrait qu'on mette des pièges avant de se barrer en fait. Ce serait bien. Supply, mob, snack, cooking, ingredients. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ok. Il reste encore des trucs à fouiller visiblement. Ils sont toujours pas réveillés. D'accord, donc Vincent a la fièvre qui s'est barrée. Et un piège qui n'a pas tué de zombies. Alors ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien, donc on va prendre tout le monde. Et on va repartir en bridge et on embarque tout. On embarque tout. Voilà. On embarque tout et on se casse. Voilà. Ici, c'est fouillé, on sait qu'il n'y a rien. Voilà. On n'a pas pu mettre de piège avant de partir, mais c'est pas grave. Alors, tout le monde est revenu. Ouais, en fait, on leur a coupé dans le sommeil, en fait. On leur a coupé dans leur repos. Ils étaient en train de se reposer, mais finalement, tu vois, on les a fait partir, on les a fait bouger. Du coup, ça les réveille, mais... c'est Sid ici qui est blessé. Ben, on va la laisser se soigner tout seul. On a pas mal de medical supply ici. On a le carburateur. Ça serait bien que quelqu'un qui puisse emmener. Ouais, mais si d'ici devient zombie, ça serait un peu la merde. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais bridge. Je vais bridge à côté. Ah, il a réussi à se soigner. Ah merde, je suis parti mais sans prendre le truc. Ah le con. Lara et Vincent. Ils vont spotter. Plutôt Vincent qui va nettoyer. Et Alfred, je sais pas. Mais dors, Alfred, dors, repose-toi, je sais pas moi. Putain, quel con, il va falloir que je fasse revenir. Ok, donc un piège qui a tué des zombies. Alors, il y avait personne dedans, mais il faut que je revienne là. Le mec, tu sais, qui repart, qui revient. Ce qu'on va faire, c'est qu'en même temps, bah tiens, je vais prendre des snacks. Snack, deux spark plug.
Je vais prendre un assaut rifle. Putain, ça pèse lourd. 10. Combat crossbow. Ouais, il y a des munitions de crossbow là-bas donc. Ok, je repars là, comme ça je partirai directement de là pour aller jusqu'à la maison. Ok. Un piège n'a pas tué de zombies. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. Silici est en train de pioncer en espérant qu'il se réveille un jour. Ou en étant vivant. Alors, Steph et Vincent se reposent. On va les laisser se reposer du coup. Tant pis, on va les laisser se reposer. Lara qui va spotter avec Alfred. Alors, un piège a été détruit. Ok. Allez, Alfred. Ouais, on peut faire un piège expérimental. Ok. Ah bah ça va, je suis revenu, je suis là. Je suis présent. Alors ce que je vais faire, je vais faire un long voyage. Et je vais prendre le carburateur et le spark plug. Et je vais faire un long voyage pour rentrer là-bas. En espérant que je ne meure pas sur la route. Ça serait très très con. Ok, donc un piège régulier, on n'a pas tué de zombies. Silici est présent, donc il va spotter. Alfred est là aussi. Bon, bah, il va nettoyer en attendant. Silici, le zombie, on va l'appeler comme ça. Alfred a nettoyé. Ok, killing. On a tué plein de zombies. Un piège a tué plein de zombies. Ça, c'est bon. Je continue ma ligne droite. Ok. Lara et Vincent se reposent. Alfred, il n'est pas convaincu par Silici. Il a peur que Silici devienne un zombie. Il a la pression. Et la pression psychologique, il y a des corps. Ah, mais c'est des corps qu'il y a à l'extérieur, juste à l'extérieur, à mon avis. Là. Ok. Vincent a de la fièvre. Vincent a de la fièvre. Et la Silici, c'est le seul qui est debout. Et je me repose. J'ai fait un long voyage, mais au moins j'ai amené tout le supply qu'il fallait, le carburateur, le spark plug. Donc ça c'est bon. Il ne manque plus que l'ignition. Alors je suis en train de dormir là-bas, donc je vais rester là-bas dormir un petit peu. Le mec il fait que pioncer quoi. C'est terrible. C'est d'ici au spot toujours. Un piège a été détruit. Alfred se repose. Et Vincent est de nouveau parmi nous. Il va faire à bouffer. Simple meal. Silici, il va spotter. Et Lara, elle est là. Minor patrolling chronage et minor sniping chronage. Chronage. Les connaissances en sniping. On est plutôt bien dans notre... J'ai peut-être envoyé Lara, ça serait bien qu'elle puisse investigate cet endroit-là. Elle sera ici, ici, ici. Ouais, on va investigate comme ça. On va juste investigate là, vite fait. Alfred, dès qu'il se réveille, on envoie le... Il y a un petit bug là, oui. Il y a 5,52 AM.
Alors. Alors, les zombies sont pour être faciles à spotter. Il n'y a plus beaucoup de fournitures. Est-ce qu'il y a des pièges encore? Ah, il y a tous les pièges qui sont là qui n'y sont plus. Ça veut dire que les zombies sont pas loin. Je vais repartir par ici. Je vais prendre les munitions, juste les munitions. Parce que. Un scopé de pistolet peut-être. Oh, des splints, ça on s'en fout. Des snacks, un peu d'huile. Non, on va juste partir avec ça. Juste les munitions. On va prendre juste les munitions, comme ça au moins. Voilà. Putain, par contre, le chemin qu'il prend pour partir. Investigate. Many zombies inside. Est-ce qu'on fait dans toutes les redoutes? Il devrait y avoir de la bouffe dedans. Ok, alors, oula, il y a du. On explorait de quel côté? Le nord, le sud et l'ouest. Donc, le nord, le sud et l'ouest. Donc, du coup, on sait que là, il n'y a personne. Là, on n'a pas pu voir. Là, on a pu voir par la fenêtre. Donc, là, on peut sortir dans la bathroom. Ou dans la storeroom. Ou la medium office, peut-être. On peut partir de là. Pour se battre. Ouh! C'est quoi cette image-là? Vous voyez l'image de CDC, comment elle est? Elle est un petit peu noire sur les côtés là. Il est en train de devenir un zombie. Oh, alors le tuer. On n'a pas pu le sauver. Et Vincent aussi là. Qu'est-ce qu'il a là? Parce qu'il a des fièvres, des lacérations. Comment il a fait pour avoir des lacérations? Il se bat pas. Ah si, il y a eu l'attaque avant. Allez, on avance un petit peu. Enfin, je suis encore sur la route. Putain, je suis là. Pourquoi ça me dit que je suis là? Ok. Le spark plug, du coup, bah, le spark plug, il est plus ici. Il est plus ici, non. Il y a de la bouffe, par contre. Il y a de la bouffe et des armes, un peu. Ici, on n'a pas d'armes à feu. Ouais, du coup, j'ai pris des balles, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas d'armes à feu. Lara, elle va aller. Breacher à côté. Ok. Alfred, il est chaud. Il va mettre des pièges. Alors, elle n'a pas de zombies à l'intérieur. Elle va revenir avec le matos. Voilà, elle prend tout. Elle aura une pénalité de poids, mais pas grave. Ok, je me repose. J'ai traversé toute la route, hein. Enfin toute la ville. Toute la ville ou le village, hein, comme vous voulez. C'est pas très grand, donc on a plutôt un village, mais. Ok, donc Lara est rentrée, donc elle a récupéré toutes les armes qu'il y avait à côté. Donc là, on a une grosse place forte au niveau de l'hôpital. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu décalée sur le côté, mais c'est pas grave parce que bon. Où est-ce qu'on a fouillé? On a fouillé ici, ici, en bas. Il nous manque les bâtiments qui sont là. Les deux là-haut. Une fois qu'on a fini le secteur ici, on se réfugie vers nos maisons par là. Notamment celle-là, là. Et de celle-là, on pourra facilement aller explorer en dessous, là. Là, et le mieux à faire, ça serait de. Quand on se trouve dans un endroit, faire beaucoup de bruit. Totalement à l'opposé, et puis après on se casse vite fait ici, comme ça au moins on attire un maximum de zombies. Une fois qu'on a tout fouillé, qu'on sait qu'il n'y a plus rien par là. Donc ici il y avait quand même pas mal de zombies. Lara, tu es en forme. Là, investigate l'école. Investigate, oh putain, il est énorme le bâtiment. Il est énorme, tu investigates comme ça. Ouais. Ça va être chaud à mon avis d'investigate un bâtiment comme ça. Je suis sûr que dans l'école, il y a plein de trucs. Le bâtiment le plus grand, j'ai l'impression, pour le moment. Parce que ça, c'est quand même assez grand.
Mais celui-là, vu la flèche qui va là, c'est vraiment un énorme bâtiment, quoi. Parce que là, c'était plutôt petit, là, on sait pas trop comment c'est. C'est vraiment une petite, petite maison. Pas barricadée ici. Ouais. On n'avait pas voulu la barricader. Ici fortifié. Ici aussi, il y a un petit peu de bordel, mais c'est fortifié. Il faudra peut-être un jour ou l'autre quand même attaquer ce. Là, vous voyez, la photo de CDC, elle commence à virer au noir. Ça, je pense que ça veut dire que ça va être la fin pour CDC. Ça va être notre premier mort. Qu'est-ce qu'elle nous a dit au fait? Ah d'accord, elle est partie y aller quoi. Donc là, je voudrais un spotter. Alfred, tu me fais des pièges. Ouais, dans le sud, faire de la bouffe. Et puis il reste moi qui ne fais rien, je vais nettoyer. Ok, un piège expérimental. La raille est presque. Il y a encore beaucoup de zombies par ici, c'est quand même, c'est chaud quoi. Alors, quelques zombies à l'extérieur, beaucoup de zombies à l'intérieur, elle est très confiante du résultat. Donc il y a des pièges qui arrivent à tuer des monstres, enfin des zombies. Beaucoup, beaucoup de monde. Alors on est arrivé de quel côté? Le nord, le sud et l'ouest. Donc le nord, le sud, l'ouest. Donc ça veut dire que... Ici, le résultat est sûr. Ici, le résultat est sûr. Ici, donc il doit y avoir personne. Ici, il n'y a personne. Ici, je ne sais pas. Si, normalement, il n'y a personne. Et comment ça se fait qu'elle a vu l'intérieur ici? Le nord, le sud et l'ouest. Donc elle a pu voir ici. Là, c'est normal qu'elle le voie. Beaucoup de zombies, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, il y a quand même pas mal. Mais bon, on a déjà tué beaucoup. On a déjà tué beaucoup des zombies. On a déjà tué beaucoup. Ouais. Attendre que Lara revienne. C'est d'ici qu'il nous pompe tous nos antibiotiques. Je sais pas si c'est soignable, quoi. Il va finir par devenir zombie. Il faut que. Tant qu'il est là. C'est barbare ce que je veux dire, mais tant qu'il est là, il faut qu'on l'utilise, quoi. Voilà, qui est presque à la maison. De toute façon, il faut qu'on attende qu'elle revienne. Et Lara se repose. Celle-ci se repose. Il n'y a personne qui spot. C'est quoi cette organisation de merde? Il y en a des trucs à nettoyer. Ouais, allez, Alfred qui va nettoyer. Allez, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici parce qu'on a déjà 48 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera extrêmement plaisir. La suite promet d'être assez palpitante si DC va nous quitter. Est-ce que à 4 on arrivera à survivre? Alors soit si on n'a pas de bol, honnêtement si on n'a pas de bol, la partie qui nous manque va être là. Et du coup ça va être quasiment impossible de la récupérer. Hein, sans CDC. Le truc c'est qu'il faudrait soit attaquer directement les gros bâtiments, c'est-à-dire comme ça et le commissariat, tant que CDC est encore vivant. Et puis voilà. Puis quand il meurt, ben on se casse, on se replie tous à l'hôpital et puis on essaie de voir ce qu'on a récupéré. C'est tendu, hein. Pour l'instant que deux pièces sur il nous en manque trois. Deux pièces sur cinq. C'est quand même assez tendu. Donc on verra bien. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Safe House Diaries 2.
Allez, ciao.